Bonjour, aujourd'hui, vidéo numéro 9 de la série des 15 vidéos pour t'aider à faire de la place pour vivre ta passion. Aujourd'hui, je vais te donner un petit truc qui va t'aider à savoir un peu mieux ce qui se passe là-haut et comment ton mental peut saboter tes efforts. Parce que le mental, ou l'inconscient, tu peux donner le nom que tu veux, veut te garder en sécurité et dans un espace, une zone de confort, comme on dit toujours. Et ça, il fait ça pour t'aider parce que ça lui fait un peu peur, tout ce qui est inconnu, normal. Et donc, ce qu'on veut faire, on veut un peu savoir ce qui se passe là-haut, ce qu'il raconte. Parce que le mental, c'est quelque chose, c'est une bête qui est nourrie par les autres, par tes parents quand tu es toute petite et par tout ce que tu entends autour de toi. Et quelque part, quand tu es toute petite, ou quand tu es tout petit, ça t'aide parce que tu dois survivre dans ce milieu, tu dois être aimé, tu dois être accepté, tu dois être nourri, tu es totalement pas autonome, évidemment. Et donc, l'être humain a ces énormes capacités de s'adapter et le mental, il reçoit comme un perroquet. Il croit que ça, ce sont des vérités. Évidemment, une fois que tu commences à voyager, rien à voir, tu te rends compte que tout ce que tu pensais, comment tu as grandi et les certitudes que tu avais n'existent pas telles quelles dans les autres cultures. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, voyager, c'est bien. Ce que je voudrais faire aujourd'hui avec toi, c'est de demander de faire un voyage dans ton propre mental et voir un peu. Donc, tu prends une montre et tous les 2 heures, tu mets un stop ou une petite alarme. Sauf la nuit, évidemment. Et alors, à ce moment-là, quand ça fait bip, tu t'arrêtes juste une seconde et tu regardes ce que tu es en train de penser. Parce que beaucoup de têtes sont pleines de critiques, pleines de peurs, pleines de tout ce qui peut faire en sorte que tu ne dépasses pas tes limites, que tu ne sois pas trop enthousiaste, que tu ne vas pas foncer à fond et dire « Ouh, je vais faire ça ». Donc, regarde, tu te mets donc une montre avec une alarme et tous les 2 heures, tu regardes qu'est-ce que ta tête est en train de te raconter. Et puis alors, tu notes tout ça. Tu te prends un cahier et à gauche, tu notes tout ce que la tête te dit quand c'est négatif ou quand ça restreint les choses. Et quand c'est positif, alors tu le notes à droite. Et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, selon combien de temps tu veux faire cet exercice, ce sera très intéressant, je pense, d'un peu scanner ce qui se passe dans ta tête. À la fin, quand tu as tout noté à gauche, négatif, à droite, le positif, à mon avis, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des choses à gauche. Tu prends chaque phrase qui va te dire, par exemple, ce n'est pas possible. Oui, une bête phrase comme ça. Tu la transformes en quelque chose de positif. Donc, chaque phrase négative que ta tête t'a racontée, tu la transformes dans une phrase qui a la puissance et qui dépasse ses limites, qui est juste l'opposé, comme deux pièces, deux images en miroir où le noir et la lumière. Et tu veux donc à droite avoir une colonne avec toutes les affirmations positives qui te donnent une puissance, qui te donnent le courage, qui t'aident à faire ce que tu veux faire dans ta vie. Donc ça, c'est mon conseil pour t'aider à faire de la place pour ta passion. Parce que quand tu veux vivre ta passion, tu as besoin de beaucoup de choses et tu as besoin d'une tête que tu contrôles et que toi, tu peux te dire non, ben ça, je ne l'écoute pas et je le transforme. Donc voilà, ça, c'est mon conseil pour aujourd'hui. Je te souhaite bonne aventure avec ça et ça me ferait très plaisir si tu peux me communiquer avec moi via un message privé ou bien ici, si tu as le courage, ici, dans le message en dessous, de nous raconter quelles sont les croyances que ta tête te raconte et comment toi, tu as trouvé l'opposé qui va t'aider. Ok, très belle soirée à tout le monde et à demain pour la vidéo numéro 10 de la série de 15. Ciao, ciao!